Ici tout commence, spoilé, Greg est-il le père de Naël? Jasmine identifie le père de Naël, Gaëtan est troublé par Stella et Salomé ne canalise pas sa colère contre Ambre. Salomé, Aurélie Ponce, est en charge du service. Ambre, Claire Romain, pose des questions et sa rivale est exécrable envers la première année. Anaïs, Julie s'assouste, conseille à son amie de se calmer. Peu après, Ambre doit apporter en salle un plat mais elle ignore que l'assiette est brûlante. Salomé le sait mais ne le signale pas. Ambre se fait donc mal. Lisandro, Agustine Galliana, rappelle à l'ordre l'ex de Maxime mais celle-ci continue de faire vivre un enfer à Ambre dans la suite du service et admet avoir fait exprès de ne rien prévenir pour qu'elle se blesse. Anaïs lui redemande de canaliser sa colère. Maxime apprend pour l'incide de l'assiette et s'en prend à Salomé en lui faisant remarquer qu'elle fait n'importe quoi. Elle le repousse. Anaïs explique à Salomé qu'elle doit arrêter de s'acharner sur Ambre car cela n'est pas bon pour elle. La principale intéressée le sait, mais cela est plus difficile qu'à faire. Alors qu'il donne un cours, Gaëtan, Terence Télé, est distrait car il reçoit un SMS de Stella, Anaïs Parello, qui lui avoue qu'elle pense à lui. Il supprime le message. En rentrant à la maison, il la rencontre et lui redemande d'oublier leur baiser. Elle n'y arrive pas alors qu'il lui répète qu'il est amoureux de Noémie, Lucia Passaniti. Ils doivent pourtant enregistrer une nouvelle vidéo de sport plus tard. Gaëtan n'y met pas du sien, Ludivine, Alizée Bochet, connaît son frère et voit bien qu'il y a un problème. Seul à seul, elle lui pose des questions et il admet qu'il y avait une ambiguïté entre Stella et lui. Ludivine pense que Gaëtan n'est pas totalement honnête par rapport à ses sentiments. Jasmine révèle qui est le père de Naël dans Ici tout commence. Rose, Vanessa de Mouy, apprend à Jasmine, Zoé Séverin, que Tessier, Benjamin Baroche, va parler de son cas avec l'équipe pédagogique de l'Institut. Elle recommande aussi à la jeune fille de discuter de Naël avec le père de celui-ci. Jasmine craint qu'il s'en moque. Peu après, elle rend visite à Greg, Michael Mittelstadt, pour lui parler d'un sujet visiblement important. Elle l'interrompt alors qu'il est avec Elliot, Nicolas Anselmo, et, mal à l'aise, elle lui demande de l'aide pour préparer un plat avant un examen. Il l'envoie sèchement balader. Elliot n'approuve pas du tout l'attitude désobligeante de son petit ami. Tessier décide de mettre Jasmine à l'épreuve, si elle réussit son examen aujourd'hui, elle pourra rester. Greg vient revoir Jasmine et s'excuse pour son comportement plus tôt, il va l'aider à s'entraîner. Elle lui révèle au passage qu'elle est bipolaire. Au moment de l'évaluation, le directeur annonce d'ailleurs à tout le monde la maladie de Jasmine. Malgré tout, elle excelle dans sa tâche, sa place à l'Institut n'est plus compromise. Elle rapporte cela à Greg, il est ravi pour elle. Jasmine se trouve avec Naël à ce moment-là. Elliot craque pour le nourrisson alors que Greg assume ne pas aimer les bébés. Elle part précipitamment. Elliot le remarque et commence à émettre la théorie que Greg soit le père en sachant qu'ils l'ont couché ensemble quand Jasmine était en stage chez le chef de l'Obel. De plus, les dates concorderaient. Il retourne la voir et lui pose directement la question. Jasmine confirme leur hypothèse. Greg est sous le choc, pour lui, il est impossible qu'il soit le père de Naël. À suivre dans Ici tout commence.